Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve avec la suite de notre partie de Teotihuacan, la cité des dieux, dans son édition de base. Je ne possède pas encore de supplément, hein, d'extension, même si c'est probable que ce soit le cas plus tard, parce que j'aime beaucoup ce jeu, honnêtement, je trouve son mode solo très bien fait, véritablement, c'est un modèle du genre, je trouve, et... Bah quel pied quoi, pouvoir jouer à un jeu de placement d'ouvriers avec une IA super performante, cette pyramide qui s'érige devant nos yeux ébahis, franchement moi ça me plaît énormément. Alors, on va démarrer et bah voyez le plateau en fait il est tel que je l'ai laissé à la fin de l'épisode précédent, hein, donc l'IA lui n'est pas relocalisé, enfin, en tout cas j'ai rien vu dans les règles qui me faisait aller dans ce sens, et ce serait plutôt logique, en définitive, puisque de toute façon, l'IA se déplace. Donc, il est logique d'avoir replacé les joueurs fantômes, ça me paraît plutôt logique. Par contre, déplacer l'IA, pourquoi faire, hein, c'est pas, ça paraît pas quelque chose de forcément utile. Donc, ce qu'il faudrait faire... c'est une bonne question, ça, ce qu'il faudrait faire. 1, 2, 3... s'ils sont deux, c'est un tout petit peu mieux. Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Peut-être essayer quand même de... 1, 2, 3... J'ai pas acheté de technologie, ça me saoule, mais j'ai pas d'or. Donc en même temps... Ouais. Mais l'or est un peu plus disponible. Il n'y a plus que moi sur le plateau là-bas en réalité. Hein. Bah oui, donc c'est cool. Ça veut dire que je vais pouvoir gagner des pépites là-bas relativement facilement. Je pense que je vais utiliser cette capacité en fait. Voilà. C'est-à-dire que je vais déplacer deux ouvriers en même temps, en fait. Voilà, il faut qu'ils partent de la même tuile et qu'ils arrivent à la même tuile. C'est la condition. Donc c'est autant prendre les deux et les déplacer en même temps, en fait. Hein. Soyons logiques. Donc on va prendre ces deux-là et on va leur faire faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Ah oui, mais... Oula, non. Ah non. J'avais oublié juste ce petit détail. Il y a plein de monde ici. Ouh, aïe, aïe. Ah ouais, là, c'est bien rempli. Hein. Moi, je n'ai plus que un en... Ouais, c'est pas cool. Ouais, je n'ai plus que un. Un cacao. Ah, c'est pas chouette, ça. C'est pas chouette du tout, même. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? 1, 2. Là-bas, c'est pas beaucoup mieux. Acheter une technologie, je ne peux pas. J'ai pas d'or. Ah, un petit peu embêtant cette histoire. Je suis un peu coincé en fait. Je retourne cette tuile. Je suis un peu coincé en réalité parce que ils peuvent aller là, là ou là. Là, j'ai pas d'or donc ça sert vraiment strictement à rien. Là-bas, faut payer 2. Là, faut payer 2. Et je les ai pas. Ouais, donc c'est pas cool. C'est carrément pas cool même. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais faire? C'est chier ça. C'est pas terrible. Bien écoutez, la seule chose qui paraisse possible dans ces conditions-là, c'est de justement de... Mais ça serait vraiment un tour un petit peu gâché. Ça serait de prendre justement du cacao, quoi. Ça, sur une des tuiles où il y a deux, éventuellement. Qu'est-ce qui va m'intéresser le plus, là? Le bois, la pierre? La pierre, j'en ai quand même encore un petit peu. J'en ai deux. Donc, peut-être à ce moment-là, ne pas utiliser cette tuile-là tout de suite. Si c'est juste pour prendre du cacao... remarquez, on déplace l'un, puis l'autre. Donc, à ce moment-là, ça peut peut-être permettre de prendre plus de cacao. Ouais, donc, je vais peut-être utiliser quand même cette formule-là. Et je vais déplacer celui-là ici. Voilà, il vient là. Puis ensuite, je vais déplacer l'autre. Et en fait, il arrive dans un endroit où il y a déjà trois ouvriers de couleurs différentes. Et là, je revendique du cacao. Donc, je vais en gagner, du coup, 3. Voilà. C'est pas non plus... énorme. 3 plus 1, pardon. Donc, ça fait 4. Ouais. Bon, 4 cacao, ça fait que je vais pouvoir respirer un peu. Et j'ai donc utilisé cette tuile. Enfin, bon, c'est pas idéal. Je suis pas super content de ce tour. En plus, je n'upgrade même pas mes ouvriers là-bas. C'est vraiment pas chouette. Que va faire pendant ce temps-là le Teotibot? Teotibot, 1, 2, 3, 4, 5... Non, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est cette action, c'est une action de construction. Et en plus, il a quelqu'un ici.
Donc il va construire, le salaud. Aïe, aïe, aïe. Il a commencé à me mettre la pression tout de suite, là, d'entrée de jeu. S'embête pas. Donc si Théotibot possède deux pierres ou plus, alors il en a trois dans son stock, voilà. Et au moins un ouvrier sur le plateau construction, c'est le cas. Il a un ouvrier de rang 5, et en plus, il va lui faire faire une élévation dès le début de la partie. Eh bien, dis donc, ça commence fort, dès le début de cette éclipse. Il va donc payer deux pierres. Hop. Voilà. Il prend la tuile la plus à gauche. Donc là, je la tourne dans n'importe quel sens. Puis ensuite, il va la placer toujours avec la même méthode, c'est-à-dire de haut en bas, en allant de gauche à droite. Voilà, donc j'arrête de tourner. Hop, je suis tombé dans ce sens-là. Donc de gauche à droite. Alors, hop, hop, il va venir la positionner ici. Et il me vole ma place, d'ailleurs, parce que je voulais venir me mettre là. Donc ça m'arrange pas du tout. Il va gagner donc les points de victoire de cet étage. Donc c'est du premier étage, hein, donc c'est un point de victoire. Et il va scorer, alors il va avancer aussi sur la piste de pyramide, bien sûr. Il va scorer 2 points de victoire supplémentaires, ça va lui faire 3 points de victoire. Donc là, il est à 37, 3 points, il passe à 40. Voilà, voilà, voilà. Il renforce un ouvrier du plateau correspondant et produit l'élévation s'il y a besoin. Et il déplace ensuite l'ouvrier renforcé ou le nouvel ouvrier. Donc lui, il va passer niveau 6, donc effectivement, il va faire une élévation. Donc l'élévation, c'est très simple, il prend toujours les points de victoire, donc il va grimper de 40 à 45. Vous voyez qu'il est déjà en train de creuser l'écart, le petit écart que j'avais creusé. Il est déjà en train de rattraper, pardon, le petit écart que j'avais creusé. Ici, il va avancer de 1, et donc, a priori, il va scorer 4 points de victoire directement. Voilà. Donc, il passe à 49, il commence à me saouler. Ensuite, il va créer donc un ouvrier de niveau 1, l'autre est mort, et il part, bien sûr, d'ici, sur la citadelle, et il va avancer de 1. Voilà. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de son élévation. Il n'y a rien de plus à dire. Il fait l'élévation de toute façon comme tout le monde. Hein. Voilà, il gagne 5 points de victoire et avance normalement sur l'allée des morts, mais il n'y a rien de plus à dire. Voilà, il a terminé son tour. Voilà, il a joué cette tuile. Alors c'est un petit peu particulier parce que c'est rare qu'en fait qu'il tape dans celle-là. Donc du coup, il n'y a rien qui bouge là, il n'y a rien qui avance parce que en fait c'est directement en bas, donc il n'y a pas de tuile en dessous. On va juste prendre en fait la tuile qui était défaussée et la mettre à la place de l'autre. Voilà, et on va quand même bouger ça. Et à la fin du tour, bien sûr, le soleil progresse. Voilà. Bien, alors retour aux affaires. J'ai plusieurs options. Déjà, il y a un truc que j'ai oublié. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois depuis le début de cette partie. J'ai oublié de faire glisser ça sur la gauche et de prendre une tuile supplémentaire. Que voici. Ok. C'est important. Après ça, j'ai plusieurs options. J'ai pensé à tout. Hein. J'ai essayé d'envisager différentes options. Je m'étais dit, par exemple, prendre un ouvrier là-bas, l'envoyer ici, alors, et puis récolter de la pierre. Comme on serait déjà avec 3 ouvriers, ça serait la première fois que je pourrais regarder la ligne 3 avec 2 upgrades d'ouvriers possibles et des points de victoire à la clé. C'est assez intéressant. Par contre, ça me coûterait cher en cacao, puisqu'il y aurait 1, 2, 3 couleurs différentes déjà présentes sur le plateau, et donc ça me coûterait 3 en cacao. Ça, c'est pas cool. Et puis après, je me suis dit, et si, j'augmentais un peu en force, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on prend toujours l'ouvrier qui est le plus faible. Donc ça veut dire que même s'ils étaient 3, on resterait à la première colonne ici, ce qui limite un petit peu, je trouve, l'intérêt. Il faudrait au moins avoir au minimum un niveau 2 pour obtenir 3 cailloux ainsi que 3 points de victoire. C'est quand même intéressant. Moi, je pense que ce que je peux faire, peut-être, c'est faire galoper celui-là autour. Après tout, j'ai 2 caillasses ici. Donc, je peux très bien l'emmener 1, 2, 3 jusqu'ici, qu'il fasse une construction, il y en a encore en étage du bas, et ensuite, 1, 2, 3, il file là-bas, et il n'y a personne là-bas, il n'y a que moi. Alors, comme il y a une couleur bleue, je serais quand même obligé de payer 1, mais c'est pas très cher. Et on serait alors à 3 ouvriers pour ramasser plein d'or. Et je trouve que c'est intéressant. Bah oui, parce que c'est 3 pièces d'or. Donc ça veut dire qu'en circulant, en revenant par exemple par ici, paf, on peut mettre une décoration. Donc je trouve qu'il y a peut-être un coup à faire là, sur ce coup-là, qui me déplaît pas mal.
Donc du coup, je vais prendre cet ouvrier. 1, 2, 3, il va avancer jusqu'ici. Et là, ça m'arrange, il n'y a personne. Donc j'ai pas besoin de payer de cacao. Je vais juste payer deux pierres. Donc là, vraiment, je n'ai plus de ressources. Par contre, hein, il va falloir refaire des ressources. Et je vais placer une dalle quelque part. Alors, j'ai pas trop le choix, en fait. Hein. C'est, puisque je peux payer que deux pierres, c'est forcément ces dalles ici. Et au niveau des points, ouais, c'est pas extrêmement avantageux. Hein. Non, on peut pas dire. Il n'y a pas de marqueur colo. J'ai pas de couleur ici pour obtenir des avancées dans les temples. Donc ça, c'est pas cool. Je pense qu'à la rigueur, peut-être le moins pire, c'est peut-être celui-là. Si je l'oriente comme ça, je vais marquer deux points de victoire en plus. Ouais, c'est pas énorme. Hein. J'avouerai que c'est pas énorme, mais je peux pas faire beaucoup mieux en réalité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, rien. En fait, je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire de mieux que ça, en fait. Ouais, si je prends celui-là et que je le mets là, par exemple, ça va faire pareil. Je vais scorer deux points de victoire ici. J'arriverai pas à scorer plus, de toute façon. Ouais. Donc, autant prendre celui-là et faire matcher, en fait, le totem et puis la colonne ici. Et ça fera deux aussi. Ouais, oh, ça change pas grand-chose, du coup, en réalité. Bah, je vais mettre celui-là. Allez, tant pis. Hop. Il va couvrir deux colonnes, deux symboles de colonnes. Je casse tout. Voilà, bien joué. Ah! J'ai tout cassé. Et du coup. Voilà, celui-là à l'origine, il était. Placé comme ça. Voilà. Ok, donc je place celui-là là-bas. Et donc ça va faire un point de victoire. Plus deux points de victoire parce qu'il y a un double match. Voilà, deux points de victoire. On va passer à 60. Non, pardon. J'étais à 58. Non, 3 points de victoire. 1 point plus 2, ça fait 3. Je passe à 61. Et puis ici, je le rejoins là sur l'échelle de la pyramide, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, et à la fin de mon tour, cet ouvrier va gagner en puissance et devenir un ouvrier 2. Vous voyez, ça devient intéressant pour le tour d'après, où on va essayer de récolter de l'or. Et en fait, on va même pouvoir monter sur au niveau d'un temple. Donc c'est quand même cool, cette histoire. Oui, c'est cool. Voilà, moi je peux rien faire d'autre, si ce n'est, bien sûr, piocher ça, et j'ai pris la tuile qui est à droite, donc en fait j'ai pas besoin de déplacer sur la gauche. Et voici la tuile suivante. Voilà. Ok, c'est donc à notre ami le Théotibot de se déplacer, il fait un 9. Alors 9, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une action d'adoration. Oui, il est rendu où en adoration, lui, d'ailleurs? Il est rendu là-bas. Oui, donc il va directement, en fait, jumper par-dessus la citadelle, et il va venir, en fait, là, au niveau de l'adoration. Voilà. Ça lui fait... Je sais plus. Je vais revoir, histoire d'être sûr de ne pas dire de bêtises. Il déplace son ouvrier situé sur une case adoration vers la case adoration suivante. Il ignore la citadelle. Si l'un de vous ouvriers est présent sur cette case, non. Il progresse de deux dalles sur le temple correspondant. Si la case adoration est celle du plateau décoration, non, c'est pas le cas, il avance de trois dalles sur le temple. Donc là, il va avancer de deux dalles sur le temple concerné, c'est le temple vert qui est ici. Alors, il était plutôt tout en bas. Hein, plutôt tout en bas. Donc, il va avancer de deux. Un. Et deux. Il arrive ici, donc en fait, il gagne 2 cacao, ce qui ne nous arrange pas du tout, je dois dire. Et il va également défausser la tuile qui est ici, mais sans en tirer aucun bénéfice, par contre. Et on va la remplacer par une autre, c'est un masque. Je crois que c'est un masque simple, ça, oui, c'est un masque de rang 3, de rareté 3, c'est pas énorme. Voilà, progresse de 2 dalles sur le temple... et gagne les bénéfices indiqués sur les deux dalles. Voilà. Défausser la tuile découverte située à côté de la case d'adoration, et puis en choisissant immédiatement une en remplacement. Voilà, ça y est, il a terminé son tour. Ici, on doit grimper comme ça. Voilà. Et on doit remettre ici l'action de construction. Hop.
Voilà, et celui-ci, je le défausse. Et on avance dans le soleil. Voilà. C'est donc de nouveau à moi. Donc bah, je vais construire le plan qui est prévu. C'est-à-dire que cet ouvrier va avancer de 3 secteurs pour venir là et effectuer l'action du plateau central. Donc il y a une couleur présente, hein, puisque notre propre couleur compte pour pouvoir quand on doit payer. Et on va activer ça. Donc il y a 3 ouvriers. Donc on est sur cette rangée-là. Et on est sur cette colonne, c'est-à-dire qu'ils ont 2 au minimum de force. Donc ils vont prendre, on va prendre 3 lingots d'or, ainsi que une avancée sur n'importe lequel des 3 temples. Alors 3 lingots d'or. Voilà qui est assez intéressant, je trouve. 3 lingots. 3 lingots d'or. On va également grimper de 1 sur une piste de temple. Alors lequel ? Je pourrais, ici sur le temple vert, c'est là où je suis le plus avancé, récupérer du cacao, ce qui peut être assez intéressant, et surtout me rapprocher en fait de ce palier-là, si je vise après tout le vert, pourquoi pas. Sinon, bah, la piste rouge est intéressante parce qu'elle permet de scorer des points de victoire, donc c'est assez costaud. Ouais, c'est bien, mais le cacao, c'est bien aussi. Ouais, je vais avancer ici. Hop. Voilà. Donc je vais gagner 2 cacao. Comme ça, je suis pas trop mal en cacao. Et puis, bah, c'est bien déjà ça. Et à la fin du tour, comme on était 3, il y a 2 ouvriers qui vont upgrader. Ça, c'est chouette. Hein. Donc 3 et 3. Donc là, on a 2 ouvriers qui se renforcent et qui commencent à devenir costauds. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt pas mal. Voilà pour mon tour de jeu. Qu'est-ce que je vais faire après? C'est la question. J'ai plus de pierre. Ouais. Il y a l'autre glandu qui est là-bas. Mais le problème, c'est qu'il est niveau 1. Donc, si je raboule un niveau 3 là-dessus, lui, il va me baisser, en fait, ce que je suis capable de faire. Ce qui est pas forcément cool. Ouais. Peut-être qu'il faut que je le dégage d'ici avant, hein. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de ressources. Ou alors, ouais, si je vais acheter une technologie, déjà, c'est compliqué les technologies, là, hein. Très compliqué même. Parce que toute la rangée du haut est déjà prise. Toute la rangée du haut est déjà prise. Donc ça, déjà, c'est pas cool. Et la rangée du bas, bah, ça coûte cher. Hein. Ça coûte 2 pièces d'or, donc ça pourrait me ruiner mes plans de décoration du temple, enfin, de la pyramide. Et ça ne me plairait pas beaucoup. Oui, ça ne me plairait pas beaucoup. La déco de la pyramide, c'est intéressant. Hein. Ça rapporte des points de victoire. Ça permet également d'avancer sur le chemin, sur la piste pyramide. C'est assez intéressant. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va jouer le tour du Teotibot. 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Alors ça, c'est une action. Soit il prend du bois. D'ailleurs, il a un ouvrier qui est dans la forêt. Mais c'est l'action des nobles, en fait. Et il a du bois. Mais par contre, ah oui, non, il n'a pas de... Ouais, il n'a pas d'ouvrier, en fait, dans le quartier des nobles. Donc, du coup, il n'a pas... Il a de bois, mais il n'a pas d'ouvrier. Donc, s'il n'a pas pu faire l'étape précédente, et qu'il a au moins un ouvrier sur la forêt, c'est le cas, il a un ouvrier ici, sur la forêt, il gagne alors 2 bois. Hop, donc il a ce qu'il faut en bois, hein. Ça, c'est pas un souci. Il gagne 2 bois. S'il a pu réaliser l'une des étapes suivantes, il renforce un ouvrier du plateau correspondant, puis il déplace cet ouvrier. Donc lui, il devient un ouvrier 5, il va bientôt faire une élévation, ça c'est pas cool, et il va avancer de 2 pour venir ici. Ça m'arrange pas du tout, parce que pour la décoration, je devais déjà payer assez cher. Il y avait déjà deux ouvriers, qui en plus ne se déplacent pas, puisque c'est des joueurs fantômes.
Donc je devais déjà payer deux cacao, et là maintenant lui il squatte ici, ça m'arrange pas du tout. Mais bon, il n'est pas là pour m'arranger en même temps, hein. Je le sais bien. Je le sais bien. Il n'est pas là pour me faire plaisir, le gars. Hop, voilà. Et le soleil, inévitablement, j'ai envie de dire, inéluctablement, le soleil avance. On n'a pas le choix. Ok, ok, bon, alors, du coup, ça me dit toujours pas ce que je vais faire, ça. Ouais, j'ai un vieux doute, là. Je crois que je vais m'accorder un petit moment de réflexion et je reviens vers vous. Ok, bon, alors, ça m'ennuie, tout ça. Donc, je pense que je vais faire une action qui va me permettre de temporiser, en fait. Il y a le dé bleu qui me gêne, là-bas, en réalité, parce que ne pas oublier que il me reste très très peu de ressources. Et il y a le dé bleu d'une valeur de 1 là-bas qui me limite un petit peu, j'ai envie de dire. Donc j'aurais presque envie, en fait, que les dés qui ont une valeur de 3 ici viennent par là et me ramènent à la fois de la pierre et, en grandissant en puissance, en plus, ils vont pouvoir me ramener pas mal de pierre et de bois. Mais il faudrait qu'il soit 2 sur l'affaire. Mais lui, tant qu'il est là-bas, il va réduire la force de tous nos ouvriers à 1. C'est ça qui me gêne. Donc tant pis, je vais faire un coup un petit peu transitoire, on va dire, voilà, qui est pas idéal, mais enfin bon... C'est pas grave, tant pis, on va faire ça. En fait, je vais faire un coup qui est quasiment nul, c'est-à-dire que je vais payer un cacao pour gagner un cacao, en fait. Vous voyez à quel point c'est inepte. Mais au moins, ça me permettra d'augmenter la force de cet ouvrier. Ou alors, étant donné que cette augmentation est débile et ne sert à rien, c'est autant que je file ici, c'est-à-dire qu'il prenne un peu d'avance, qu'il aille au maximum de son mouvement, et puis qu'il... Parce qu'en fait, ce que je comptais faire, c'était venir ici, simplement. Remarquez, s'il traîne là... Non, c'est pareil, il va affaiblir le niveau de mes autres ouvriers après. Donc ça m'arrange pas du tout, en réalité. Oui, non, ça m'arrange pas. Donc c'est autant qu'il dégage. Voilà, donc il va faire 1, 2 et 3. Il va venir ici et il va rien foutre. Ce qui est quand même assez... Là, c'est vraiment un tour de perdu, hein. Ça me plaît pas du tout. Mais bon, si c'est pour l'emmener ici et que je paye un cacao là... pour pouvoir activer ici tout seul avec une force de 1, il va gagner un cacao, donc ça ne sert strictement à rien. Le truc dont je me rends compte aussi, c'est que il y a des choses que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Ça me guide pour ma prochaine partie, parce que je vous rappelle que c'est ma première partie et que le jeu est quand même assez dense, assez touffu. Mais voyez, quand je vois par exemple ça là, avec le plateau 8, c'est à dire la construction, 3 points de victoire à chaque fois qu'on utilise la construction, punaise. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, j'ai raté quelque chose, là, c'est évident. Celle-ci, elle est pas mal non plus, hein. C'est la 5 et la 6. Autrement dit, c'est l'action d'alchimie et la maison des nobles. Le quartier des nobles, pardon. Quand on les utilise, c'est 3 points de victoire à chaque fois. Donc c'est énorme, en fait. C'est énorme. Ces technologies, je les ai pas prises. Et maintenant, alors, il reste encore... une bonne partie de la deuxième éclipse et toute la troisième éclipse. Donc il est peut-être encore temps de faire quelque chose, mais le problème c'est que... Oui, potentiellement, il est encore temps de faire quelque chose, mais... disons que si je viens là, et que je prends une technologie du haut, parce que le bleu que j'ai envoyé ici, il peut prendre que la technologie du haut, il peut rien faire d'autre, parce que sinon il faudrait qu'il soit deux ouvriers, soit un ouvrier de niveau 4 ou 5. Donc là c'est pas du tout le cas, donc dans ce cas là je serais obligé de prendre une de ces technologies, mais le Teotibot en a déjà pris possession, donc ce qui veut dire que si je prends une techno ici, je peux le faire, mais dans ce cas là il prend 3 points de victoire, ce qui ne m'arrange absolument pas. Alors après je pourrais décider que c'est pas grave, que même s'il prend un point de victoire, et ben 3 points de victoire, et ben tant pis, hein, c'est comme ça, et puis voilà tout. Après, il y a celle-ci qui est intéressante aussi, les actions 2, 3 et 4, parce que ça correspond en fait à la forêt, à la carrière, et en fait, c'est les tuiles qui vous font chercher des ressources, de l'or, de la pierre et du bois. À chaque fois que vous le faites, vous scorez un point de victoire et vous prenez un cacao. C'est vachement puissant aussi, ça a l'air de rien. Si je veux moins avoir l'impression de perdre mon temps, je peux faire ça. Mais en même temps, si je fais ça, ça va me coûter un lingot d'or. Et ce lingot d'or va empêcher cet ouvrier-là de se rendre utile et de pouvoir poser une décoration. Maintenant, attention, la décoration, elle me coûte très cher. Hein. Ouais, en cacao, je suis pas sûr de...
Et en même temps, il y a une tuile qui me fait de l'œil. Je crois que je l'avais repérée en tout cas. Je sais plus. Non, peut-être que je me trompe. Ah oui, il y en a une qui était bien, mais non. Ouais, mais c'est l'étage du dessus, en fait. On pouvait faire carrément les deux avec deux niveaux de temple. Mais ouais, c'est celle-ci, en fait. Voilà, avec le chacal et puis la coiffe qui correspond pile à ça, mais... Ouais, en sur le plateau du bas, je peux pas faire grand chose. Ouais. Bon, c'est pas si mal, mais ouais, je peux augmenter sur un temple. Mais je pense pas. J'arriverai pas à augmenter sur deux temples en tout cas, ça c'est sûr. Non, non, sur deux temples, c'est mort. On n'y arrivera pas. Ok, bon. Donc voilà, si je dépense de l'or, en même temps, est-ce que ça peut pas attendre un peu? Je veux dire, on sait jamais, peut-être qu'il y en a un qui va déloger d'ici, et mon or, il peut me servir aussi à autre chose. La preuve, à acheter des brevets, par exemple. Mais les technologies, je vous dis, ce qui me saoule en même temps, c'est le fait de... Ce qui me saoule, c'est le fait de faire scorer 3 points de victoire à mon adversaire, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Et en même temps, je sais que les autres derrière, ils vont venir chercher du bois et de la pierre. Donc si je prends ça, je vais récupérer moi aussi des points de victoire. Donc certes, je vais en concéder 3, mais à chaque fois que je vais utiliser la carrière, la mine d'or ou le bois, je vais scorer moi aussi. Ça vaut peut-être le coup de le payer une fois. Allez, on vient là, tant pis. Je m'en fous. Je paye donc une pièce d'or. C'est le coût pour acquérir cette technologie. Donc je paye un lingot d'or. Je prends un de mes disques. Et je possède moi aussi désormais cette technologie. L'IA score 1, 2, 3 points de victoire. Et oui, c'était le premier servi. C'est le premier servi. Donc là, je me suis fait gruger. Mais tant pis. Après avoir accompli cette action, notre ouvrier progresse d'un niveau. Ce qui est une très bonne chose. Et ça va être donc maintenant à l'IA. Alors on m'a appris, j'ai appris entre temps... Parce que je n'enregistre pas tout d'un coup, bien sûr, comme vous le savez. J'ai appris entre temps, je savais même pas, j'avais même pas fait attention en fait. Certains d'entre vous m'ont appris l'existence par cet auteur, c'est-à-dire Daniel Tassini, d'autres jeux en fait de la même gamme, si je puis dire. Tous ces jeux commencent par la même lettre que son nom. c'est assez rigolo, je trouve. Voilà, donc il y a une espèce de trilogie en fait qui existe de jeux de placement d'ouvriers. Et il y en a un, alors j'ai pas retenu le nom. C'est plus court comme nom que Teotihuacan, et c'est dans l'univers de l'Égypte antique. Et je vais être obligé de... Alors ça me fait un peu bizarre, parce que je viens de faire l'acquisition de Teotihuacan, mais en fait, j'ai une envie folle de me procurer ce jeu, parce que l'Égypte antique, je suis fan. Et l'idée... j'ai vu le plateau, il est très beau, hein, il y a un obélisque sur le plateau qui est assez majestueux sur le plateau du jeu. Et on construit aussi, d'ailleurs, je crois, un monument, hein, comme dans Teotihuacan. Le jeu a l'air plus complexe, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait envie. C'est à l'IA. Oh bah, l'IA, elle fait un tout petit 2. Donc elle va faire cette action-là, une action d'adoration. Donc il continue, lui, hein, son délire, là-bas. Donc il passe de... il passe de salle de prêtre en salle de prêtre. Donc là, il vient ici. Voilà. Il va faire sauter ça, d'ailleurs, soit dit en passant. Et alors, je sais plus ce qu'il fait. Il progresse de 2, je crois que c'est ça, sur la piste du temple concerné. C'est l'adoration. Voilà. Moi, je n'ai pas d'ouvrier ici, hein, bien sûr. 2 dalles. 2 dalles sur le temple. Il gagne les bénéfices. Et ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas le plateau décoration, hein. Ok, donc ici c'est le temple rouge. Temple rouge, donc il va prendre. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. Oh ya 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 ya. 1, 2, il va prendre 4 points de victoire. Il va passer donc de 52 à 56. Oh là 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 là, l'écart est devenu quasiment inexistant. Ouais, ça fout un peu les boules. Parce que là, il me rattrape bien comme il faut. Gagne les bénéfices indiqués sur les 2 dalles. Voilà. Et puis, bah ensuite, il va prendre la tuile découverte. Hein. Il la défausse. C'est dommage, elle était belle, celle-là. Pas mal de points de victoire. Et à la place, ça va être ça. Voilà. On peut payer un cacao supplémentaire, si on active ça, pour avancer sur une piste de temple.
au choix. Voilà, il a fait donc son action d'adoration. Et ici, le manque, il est là, donc on va pas bouger les tuiles. On va directement mettre celle-ci là, voilà. Et on va quand même renverser ça. Et un jour passe. Voilà, et c'est de nouveau à moi. Alors moi, ça va être les ouvriers qui sont là-bas, qui vont m'intéresser maintenant. On va aller prendre un petit peu des ressources. Ça va se faire en plusieurs temps, mais enfin, c'est pas grave. 1, 2. Donc on va venir ici pour exploiter cette zone. Il y a déjà deux ouvriers de couleurs différentes qui sont présents. Donc ça va nous coûter 2 en cacao, malheureusement. Et alors tout seul, en niveau 3, ça ne fait qu'une pierre. Malheureusement, hein, c'est pas terrible. Mais c'est une étape intermédiaire, en quelque sorte. Et il va passer un niveau. Et il va devenir un ouvrier de niveau 4. Alors ce qui est un petit peu malheureux, c'est que l'autre qui va arriver derrière... va baisser ce niveau-là en restant niveau 3, donc on va gagner seulement 2 pierres. On aurait pu, à 2 ouvriers de niveau 4, gagner pas mal, hein, gagner des points de victoire, etc. Mais on va le faire avec du cacao, pas des points de victoire, avec du cacao ici dans la forêt, en fait, hein, puisqu'on va se retrouver, lui, il va arriver après, lui, il va arriver là, il va être de niveau 4, donc on va avoir 2 ouvriers assez expérimentés ici, à la fin du tour prochain. Et en fait, celui-là va venir ici, il va être de niveau 5, du coup, et l'autre le rejoindra après, de niveau 5 aussi. Donc ce qui fait que là, on va vraiment ici scorer pas mal, avec notamment du cacao, 3 bois, etc. Ça va nous permettre de faire des choses après, hein. Ça va nous débloquer au niveau des ressources. De toute façon, il y a bien un moment où il faut prendre les ressources, hein. on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, ça a été un tour extrêmement rapide, pour le coup. Extrêmement rapide, oui. Et... C'est déjà au Théotibot de jouer. Alors, Théotibot, il fait 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est cette action-là qu'il va accomplir. Alors, c'est l'action 5, c'est-à-dire que c'est une action de... C'est la tuile 5, hein, donc c'est l'action d'alchimie. Alors, est-ce qu'il a un bonhomme là-bas? Non, il n'en a pas. Donc, laisse tomber. Donc, il va sans doute chercher à prendre de l'or. Eh ben, il ne va pas pouvoir non plus, puisque là-bas, il n'a personne. Laisse tomber. Donc, il n'a pas d'ouvrier sur le plateau alchimie. Voilà, pas de dés jaunes là-bas. Il n'a pas de... S'il n'a pas pu réaliser l'étape précédente... Ah non, il fait pas ça, en fait. Non, il fait pas ça. S'il n'a pas pu réaliser l'étape précédente, il renforce 2 fois son ouvrier le plus faible, sans réaliser aucune action, ni déplacer d'ouvrier. D'accord. Bon, alors 2 fois. Alors son ouvrier le plus faible, actuellement, bah il en a 2, et qui sont en fait à même distance. Donc on ne pourra pas faire grand chose pour les départager. Celui-ci est de niveau 5, mais celui-ci est hors circuit puisqu'il est dans les temples. Et c'est ces deux-là, en fait. Mais en fait, il en a 2 de niveau 1 et ils sont placés exactement au même endroit. Donc on ne pourra pas. Voilà, il y en a un qui va directement passer ouvrier de niveau 3. Et chose qui ne nous arrange pas, enfin remarque, non, ça n'aurait pas changé. Puisque de toute façon, il représente qu'une seule couleur, même s'il n'a que 2 dés. Il ne se déplace pas, par contre. Voilà. Hein. Il renforce 2 fois son ouvrier le plus faible, sans réaliser aucune action, ni déplacer d'ouvrier. Ok. Donc il passe quand même brutalement d'un ouvrier de niveau 1 à un niveau 3. Enfin, au moins, il n'a pas pu acheter de nouvelles technologies, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour nous. Voilà. Ok. Donc, il n'a pas pu vraiment utiliser cette action à fond. Hop, on va faire ça. Et l'action d'adoration revient en piste. Qu'est-ce que c'est bien fait, cette IA. Elle est vraiment remarquable. Remarquable. Je comprends pourquoi ce gars est réputé, là, David Turski, dans les IA. Ouais, il a contribué... d'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait lui qui serait à l'origine de l'IA solo du fameux jeu Anachrony de Mind Clash Games. Anachrony dont vous me parlez régulièrement et que j'ai raté en fait la dernière campagne KS parce qu'ils ont fait une extension qui s'appelait, je sais plus comment, Fractures in Time, je crois, un truc comme ça. Et j'ai raté la campagne comme un débile. Et il y avait moyen avec cette campagne de récupérer tout le contenu du jeu, en fait, tout ce qui était sorti jusqu'ici en prenant un all-in. Et j'ai raté. Depuis, c'est introuvable. Enfin, c'est de nouveau comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire, Anachrony, il n'est pas toujours facile à trouver.
et les exemplaires de la nouvelle édition qui avait été faite, là, la Essential Edition, est indisponible aussi, on la trouve nulle part. Donc après, on va trouver des revendeurs d'occasion qui essayent de se faire un petit peu des testicules en or massifs, en revendant ça à des prix indécents. Donc ils peuvent toujours se coller leur anachronie dans le derche, ça sera sans moi. Je n'aime pas trop cette logique, je suis même assez écœuré, je dirais, par cette logique spéculative que certains mettent en place par rapport aux jeux de société. C'est pour moi, c'est contraire à tout ce que représente l'amour du jeu de société et du jeu en général. C'est-à-dire que voilà quoi, c'est la volonté de faire du business avec un truc qui au départ s'adresse à des passionnés. Et ça, j'ai bien du mal à le supporter. Donc lui, il va suivre son copain là-bas. Alors malheureusement, hein, j'aurais pu scorer des points de victoire sur ce coup-là, mais on va se contenter de ces deux-là. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Par contre, il faut payer... Ah mince, là, c'est 3 cacao, parce qu'il y a déjà un bleu qui est présent, hein, moi. Ah la vache, 3 cacao, là, je suis exsangue. Ouais, il va falloir que je trouve le moyen de récupérer du cacao à un moment donné, parce que ça va pas le faire, sinon. Et là, on va récupérer 2 pierres. Alors, au moins, on a un petit peu de cailloux, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, on a un petit peu de cailloux. Donc, c'est déjà une bonne chose. Voilà. 3 cailloux et 4... Il passe niveau 4. Par contre, on peut effectivement activer tout de suite cette technologie. Je viens effectivement de passer par la carrière. Donc, je vais prendre un point de victoire. Vous voyez que c'est précieux, hein, ces trucs-là. Hein, et un cacao. Ce qui réduit un petit peu la dépense en cacao. Mais vous voyez, ça, il aurait fallu que je prenne un truc comme ça. Dès le début de la partie, j'ai vraiment été bête. Je me suis jeté sur les décorations en début de partie. Et je pense que sur la prochaine partie de Teotihuacan que je ferai, ça sera une erreur que je ne reproduirai pas. Au lieu de me jeter sur les décorations, je pense que je me jetterai sur les technologies, en fait. Hein. Eh ben oui. D'autant plus que si l'IA vient vous prendre les technologies après, elle paye, elle aussi, en points de victoire. Hein. Vous prenez des points de victoire, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout bête, mais le fait de récupérer un cacao et un point de victoire, bah, c'est super, quoi. Vous faites ça à chaque fois, c'est quand même intéressant, quoi. Alors, que va faire notre Teotibot? Ouf, vache, il fait un 12. Ça, le premier 12 qu'on claque depuis le début. Donc, bah, ça va être de nouveau l'adoration. C'est assez dingue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il va encore zapper. Ouf, cette fois, par contre, il va aller dans un temple qui n'est pas bon du tout pour nous. Non, pas du tout même. Pas du tout, du tout. Donc, on n'a pas d'ouvrier présent ici. Et là, il va progresser carrément de 3 dalles, puisqu'il est dans le plateau des décorations. Et là, c'est 3 dalles sur le temple. De son choix à la place. Alors, il va défausser la tuile découverte également. Alors, quand il doit choisir un temple, alors, lorsque Teotibot doit avancer sur un temple de son choix, il progresse toujours sur le temple sur lequel il est le plus avancé. Ouais, bah là, c'est pas dur. Hein. Y en a un qui sort du lot, c'est celui-ci. Parce que là, il a franchi 1, 2, 3 marches. Là, il en a franchi 3 aussi. Et là, il en a franchi 1, 2, 3, 4. Donc, c'est là où il est le plus avancé. Et là, il va avancer carrément de 3 marches. C'est énorme. Donc, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, il va scorer ici 2 points de victoire, plus 3 points de victoire, 5, plus 3, 8. 8 points de victoire. C'est juste de la folie. 56 plus 8, 64. Il nous repasse devant. Ah la vache. Là, on n'est pas bien. Et puis, il se dirige vers un espèce d'achievement là-bas, là, de succès, sur cette piste-là. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors, il va également défausser cette tuile de découverte. Et à la place, on va mettre celle-ci, qui pour une unité d'or rapporte 4 cacao. Ok. C'est pas terrible, cette histoire. C'est pas terrible du tout. Ah la vache, là il me fout un coup. Ouais. Là il me fout un coup là. Terrible. Terrible. Donc là, il faut aller dans ce sens-là. Donc du coup. Mince, attendez, je suis perdu là. Ah oui, non, c'était celle-là, pardon, excusez-moi là. Ah bah oui, voilà. Donc là, il n'y a pas de question à se poser, c'est celle-ci qui revient. Voilà. Hop. Oh là là, puis le temps qui défile à toute vitesse là, ça me stresse. On est mal. Je suis très très mal. Parce que là, il est en train de prendre de l'avance au compteur.
Et je sais pas bien comment je peux faire, en fait, pour m'en sortir, là. Oui. Je me fais un vieux stress, là, d'un coup, là. Parce que là, c'est mal barré, en fait. C'est très, très mal barré. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sens que la partie est en train de me glisser entre les doigts, en fait. Il y a des trucs que j'ai pas fait. Et il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options, en fait. Et je pense qu'il y en a certaines que j'ai négligées. Déjà, je suis jamais allé dans les salles des temples, au niveau ici de l'adoration, là, alors qu'il y a des bonus à récupérer, il y a des machins, il y a des bidules. Je pense que là, c'est une grosse erreur. Bah, s'il y a en fait une mécanique de jeu qui permet de libérer tous les ouvriers, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt à mettre les ouvriers dans les salles d'adoration, et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, pratiquement, hein. Pas pratiquement, non, pardon, je ne l'ai jamais fait depuis le début de la partie en réalité. Jamais, jamais. Donc, c'est pas. Ouais, c'est pas cool. 1, 2. Donc, lui, il va venir ici. Voilà. Il va payer un cacao pour exploiter cette salle. Alors, il est tout seul, hein, mais il va quand même gagner 2 bois. Voilà. Donc, on se refait une petite santé au niveau des ressources. Et puis, il prend 2 bois. Et puis, comme on a bah, cette technologie. On va regagner un cacao, donc ça c'est quand même pratique, et on va prendre un point de victoire grâce à cette technologie-là. Voilà, et puis c'est tout. Notre tour a été très rapide et il va augmenter bien sûr. Il va devenir une unité de rang 5. Ouais. Unité de rang 5. Ça veut dire d'ailleurs que, vous voyez, si j'emmenais l'autre qui est seulement de rang 2, ah bah non, ça ne marcherait pas, il passerait rang 3. Ouais, ça nous ferait 3 cacao, 3 bois. Faut que j'essaye de tirer mon épingle du jeu un peu là parce que ça va pas, ça. C'est pas terrible cette histoire. Peut-être faire une construction, je sais pas. Je sais pas comment faire. Peut-être faire un truc dans le quartier là-bas. Quartier des nobles. Enfin bref, c'est au tour de Théotibot qui va faire 6. Donc c'est cette action-là, au sommet de la pyramide, qu'il va accomplir. Ah, il va essayer de choper des masques, dites donc. Ouais, collection de masques. Là, je sais qu'il y en a un. Alors, si Théotibot n'a pas encore gagné l'un des masques visibles à côté de l'une des cases adoration de la citadelle ou de l'un des 4 bandeaux, et qu'il peut s'acquitter de son coup, il paye ce coup et gagne immédiatement ce masque. Piochez alors une tuile en remplacement, mais ne déplacez aucun dé. Est-ce qu'il y a plusieurs masques déjà? Ah, il n'y en a pas là. Oui, il y en a effectivement 2. Il y en a un là, et il y en a un là. Par contre, les deux sont de la même valeur. Ce sont des masques de rareté 3. Donc, ce ne sont pas des masques très rares, des masques plutôt communs. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de les départager dans ces cas-là? Si plusieurs masques présentent la même rareté, il choisit le premier dans le sens horaire, en partant et en incluant le plateau citadel. Comme dit, tout est prévu dans cette IA, c'est ça qui est formidable. Donc effectivement, il peut se l'offrir puisque ça coûte un bois et du bois, bah, il en a plein. Plein, plein, plein. Donc il va pouvoir prendre ce masque. Voilà. Il est content. Il a un beau masque dans sa collection. Et on va remplacer ça tout de suite par une autre tuile découverte. Alors, voilà. C'est autre chose. Bon, de complètement différent. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait après ça? Piocher alors une tuile en remplacement, ne déplacer aucun dé. S'il n'a gagné aucun masque à l'étape précédente, il gagne 5 cacao. Là, cette fois-ci, il en a chopé. Ok, c'est tout en fait. Hein. Collection de masques, c'est une action relativement simple en fait. Hein. Donc voilà, c'est tout pour lui. Alors, on doit aller dans quel sens? On doit aller comme ça. Hop, et on remet l'adoration ici. Voilà. Les tours s'enchaînent à une vitesse effrayante. Regardez un peu. Et j'ai l'impression que je vais rien réussir à accomplir, ça me fout les jetons, c'est terrible. Il faut absolument que je fasse quelque chose, que je le grille sur le plateau construction,
Mais pour ça, il faudrait que... Enfin, j'aimerais bien quand même que mon ouvrier, là... remarquez, ça n'empêche pas... Il peut agir après, mon ouvrier. Hein. Ouais. Si je veux être plus rapide... En plus, il n'y a personne. Donc, j'ai pas à payer de cacao. Je vais envoyer cet ouvrier qui va faire 1 et 2. Et qui va poser une tuile. Alors, avec les moyens qu'on a, enfin, en même temps, je préfère garder du bois. Ah non, non, il va m'en ramener, lui, après, du bois. Il va m'en ramener plein, même. Donc, c'est pas un souci. Je peux dépenser du bois, éventuellement, pour construire à l'étage, ce qui pourrait être une bonne chose. Mais, alors, au niveau des symboles, c'est pas forcément terrible, terrible. C'est pas simple. Là, on peut matcher ça, bof. Bof, bof. Pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire? Punaise. Pas grand-chose. Si celui-là, je le tourne comme ça, les symboles s'alignent pas bien. Ça ne donnera pas grand-chose. Ok. C'est pas cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Aïe. Ouais, je crois que. Tant pis, je vais dépenser moins. Et je vais mettre celui qui est en bas. La dernière tuile de la base, en fait. Parce que si je pose celle-là, j'ai quand même 3 icônes qui matchent. Donc ça me fait quand même un gain de 3 points d'expérience supplémentaires. 3 points de victoire, pardon. Donc ça me fait 4 points de victoire au total pour seulement 2 pierres. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Parce qu'après, ouais. Le deuxième étage, c'est 3 points de victoire. Mais je vais pas réussir à matcher énormément comme il faut, quoi. Ça peut être simple. Ah, sauf si celle-ci, même si j'avance pas sur un temple, si je la joue comme ça, je fais quand même 3 points de victoire en plus. Oui. 3 points de victoire en plus en partant de 3 à la base. Ah oui, c'est ça qu'il va faire. C'est clair. Donc on va payer 2 pierres, un bois. On va prendre cette tuile. Je vais la tourner comme ça. Et voyez, il va y avoir un totem et 2 colonnes qui vont coïncider. Ping. Donc 3 points de victoire supplémentaires. Voilà. 3 points de victoire supplémentaires. Donc on a construit sur le deuxième étage. Donc c'est 3 points de victoire de base. Donc ça me fait 6 points de victoire au total. Donc je grimpe ici à 69. Et je prends une petite avance sur la piste pyramide. Et lui, il va augmenter sa force de 1. Voilà. Bon. C'est pas une mauvaise opération, je pense. Non, c'est pas une mauvaise opération. En plus, il peut pas vraiment construire, lui. Par contre, il peut éventuellement embellir. Oui. Mais il peut pas construire. Parce qu'il a pas d'ouvrier sur le plateau de construction. Par contre, il a un ouvrier sur le plateau de la décoration. Donc, ça reviendrait à augmenter son niveau sur la piste pyramide. Oui, c'est le souci. Moi, je suis pas riche en cacao. Ouais. Ah non, c'est chaud. C'est chaud. Allez, Théotibot, qu'est-ce que tu vas faire, mon grand? 7. C'est cette action-là. 7. Alors, hop. Ça, c'est l'action d'excellence. Théotibot cible son ouvrier le plus fort. Bon, bah là, c'est pas compliqué, c'est celui-là. Hein. C'est l'ouvrier qui fait 5. Il résout si possible l'action du plateau correspondant. Bah, je pense qu'il va pouvoir le faire, malheureusement pour moi. C'était ce que je craignais. Il va faire une décoration, voire l'étape 1 de la tuile, action, décoration. Donc si Théotibot possède 2 or ou plus, c'est bien le cas. Il a 4 lingots même, et au moins un ouvrier sur le plateau. Il paye 2 or et place la tuile décoration la plus haute. Tiens d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai oublié de remplacer ça. Voilà. Donc j'y pense. Donc lui, il va prendre la tuile la plus haute. Sur un emplacement décoration disponible de la pyramide, sur le plateau principal, choisi dans le sens horaire en partant du haut. Ok. Donc il va payer 2 or. Hop. Il va prendre la tuile du haut, celle-ci,
et il va partir dans le sens... alors, il ne se pose pas de questions, je pense qu'on part sur le bord extérieur, puis à l'intérieur, mais on tourne comme ça, toujours, en partant vers le haut, dans le sens horaire. Donc là, c'est pris, là, c'est pris, là, c'est pas pris, donc il va venir la poser comme ça. Voilà, cette suite de décoration. Le salaud va scorer 5 points de victoire. Oh my god. 5 points de victoire. 69. Oh punaise, on est à égalité. Il me saoule. Il avance d'un sur la pyramide. Bah oui, hein, forcément. Forcément. Ça pouvait pas être autrement. Aïe. C'est moche. Il me saoule grave. Qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que je reconstruise ici, mais pour ça, il me faudrait des ressources. Beaucoup de ressources. Aïe. Donc, il a pris 5 points. Il a avancé sur la piste pyramide et il avance d'une dalle sur le temple de son choix. Eh ben, allons-y, hein. Pourquoi pas? Donc, lui, c'est forcément le temple rouge et il score 4 points de victoire supplémentaires. Et il passe à 73. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Il est en train de me faire mal, là. Il était au T-bot, là. Je suis en train de le sentir passer. Ok. Alors. Donc, à la fin du tour d'excellence, il a pu réaliser une action. Il renforce l'ouvrier concerné. Il déplace ensuite l'ouvrier renforcé. Mais là, pour le coup, en plus, il va faire une élévation. Je suis vraiment dans la mouise. Mais à un point. À un point. Imaginable. Oui, non, c'est de la folie. Donc, il va avancer sur l'allée des morts. Alors, par contre, ici, c'est une étape qui ne donne pas de points de victoire. Voilà. Mais bon, il grimpe. Il va prendre 5 points de victoire sur la roue de l'élévation. Donc, il rescore encore 5 points de victoire et il monte à 78. Il est en train de prendre le large. Cet ouvrier se transforme en ouvrier de niveau 1 qu'il va placer là-bas. Ok. Il déplace ensuite l'ouvrier renforcé ou le nouvel ouvrier. Si l'ancien. Hop, il vient se mettre là. Voilà. Eh ben dis donc. Waouh. Ouais, il a fait un sacré tour de jeu là. Ouais, le genre de tour que j'aimerais bien faire un petit peu en ce moment, de temps en temps, parce que là, ça, c'est pas possible. Aïe, c'est pas bon du tout. Là, il me fait mal. Hein. Ah oui, là, il me fait très très mal, très très mal. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a baissé un petit peu ici le nombre de, voilà quoi, le nombre de dés d'ouvriers présents dans la zone de décoration, mais honnêtement, je vois pas trop ce que je peux faire. Ouais, non, là, c'est compliqué. Hein. Très, très, très compliqué. Il me reste un bois. Ouais, non, là, c'est mort. Et il va... Attendez. Il a terminé donc tout ce qu'il avait à faire, je pense. Enfin, en tout cas, par rapport à son action du tour. On va donc maintenant remplacer ici. Là. Hop, cette action-là revient. La correction de masque. Et celle-ci est défaussée. Hop. Et voilà, c'est ça le problème aussi, hein, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de tours. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Ok, bon, le pire dans l'histoire, c'est que mes deux derniers tours vont même pas être optimisés. Non. Ah, c'est l'enfer. Non, cette deuxième éclipse ne se passe pas du tout comme je le voulais. Bon. J'espère que vous serez indulgent avec moi. Voilà. Hein, c'est ma. Je veux dire, je me suis lancé, j'ai lu les règles, j'ai adoré le concept, je me suis lancé directement en partie découverte, quasi totale, sur ma première partie de Teotihuacan, filmée, quoi, direct, comme ça. Voilà, bon, c'est difficile. Là, je vais me prendre une raclée, c'est évident. Donc lui, il va venir là. Mais le problème, c'est que comme il y a deux couleurs, ça, je n'avais pas anticipé là-dessus, il va payer deux cacaos.
Donc, alors, on est assez costaud. Donc, on est deux ouvriers, on va récupérer deux cacao. Donc, ça, ça limite la casse. Et on va récupérer trois bois. Voilà. Trois bois. Carrément. Et également, comme c'est le plateau numéro 2, ici, on va scorer donc un cacao supplémentaire, ainsi que un point de victoire. Voilà, ça m'emmène à 70. Et là, je ne peux pas vraiment me permettre de faire l'élévation de celui-là, parce que si je fais son élévation, je vais avancer le soleil d'un. Et ça va raccourcir la fin de cette manche. Donc, je vais passer celui-là en niveau 5. Pour l'instant. Prudemment, on va dire. Mais c'est pas cool, hein, parce qu'il me reste vraiment peu de temps. Après, le fait de ne pas faire son ascension tout de suite, ça fait que je vais quand même pouvoir... je vais quand même pouvoir faire une ou deux choses. Mais vous voyez, j'ai un manque cruel de pierre ici. C'est affreux. 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 Aïe, aïe, aïe. Tiens, j'ai oublié de faire un truc ici. Hop. J'aimerais bien pouvoir reconstruire, quoi. À la rigueur. Bon, là, j'ai fait ça. Il faudrait que celui-là, il dégage. Qu'il aille dans le quartier des nobles. Pour laisser la place à celui qui vient derrière. Mais le problème... on a du bois, hein, ça, c'est pas le souci. Mais le problème, c'est la pierre, quoi. On manque terriblement de cailloux. Et c'est pas bon, parce que, du coup, je peux pas construire ici. Et j'ai plus assez d'or non plus pour pouvoir faire une décoration. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon du tout. Du tout. Ah, punaise. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas cool. Bon, on va jouer Teotibot, puisque de toute façon, moi, mon tour est terminé. Alors, il va faire un tout petit 3. Il refait une adoration, du coup. Ah non, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 2, 3, c'est les masques, de nouveau. Oui. Collection de masques. Alors, collection de masques. Je pense qu'il y en a un. Oui. Et il va faire ça, du coup. Surtout qu'il pourra payer son coût normalement sans aucun problème. Il n'y a pas d'autres masques, hein, qui ont été révélés, je crois, entre temps. Non, il ne reste plus que celui-là là-bas. Donc il va le prendre. Hop, c'est un masque de rareté 3. Et il va payer un en bois pour pouvoir se l'offrir. Voilà. On va remplacer la tuile par une autre. Oh, celui-là il est plus rare. C'est rareté 2. Ok. D'ailleurs, je sais pas comment on fait quand c'est comme ça, parce qu'il doit pouvoir payer le coût. Et là, sur le masque que je viens de piocher, il y a un coût en cacao. Donc je sais pas comment il fait dans ces moments-là. Je crois qu'il ignore la dépense en cacao. Tout simplement. Il a quelques petits avantages, on va dire. On ne bouge aucun dé. Ok, donc il a, c'est tout, il s'est contenté de gagner son masque. Donc c'est la fin de son tour. On va remplacer ça par ça, l'action d'excellence. Et puis on va retourner ça. Et voilà qu'arrive la fatidique éclipse. Voilà, donc il nous reste un tour entier à jouer et c'est tout, rien de plus. Donc là c'est le moment de faire une ascension, hein, c'est clair. Quelle que soit l'action que j'envisage, il faut le faire avec un ouvrier de force 5. Hein. Sachant que j'aurai en plus probablement pas... ce qui me saoule, c'est que je vais être très vraisemblablement obligé de prendre la récompense cacao de l'élévation, 5 cacao, parce que sinon je pourrais pas payer mes ouvriers et je vais le payer en points de victoire. Parce que si je prenais 5 points de victoire, je passerais donc de 70 à 75, ça me permettrait de recoller un tout petit peu au score, mais...
Ce qui m'ennuie aussi ici, c'est qu'on est à égalité sur la piste, donc j'aurais bien aimé pouvoir progresser là, mais ça va pas être possible. Mon or que j'ai dépensé pour une technologie, finalement, je commence presque à le regretter un petit peu, puisque je ne peux pas du coup acheter de décoration, qui m'aurait fait scorer 3 points de victoire et avancer ici, donc j'aurais scoré encore 4 points de victoire en étant devant, ça m'aurait fait 7 points de victoire au total en plus. Vous voyez, ça va pas tout ça, c'est pas optimisé, ça va pas du tout. Et non, ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, le problème, c'est que je n'ai pas de pierre. Donc, je peux pas... Oh là là là, ça m'énerve. Ouais, j'ai pas de pierre, donc je suis limité dans ce que je peux faire, en réalité. J'ai pas assez d'or pour faire ça, ici. Alors, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs ouvriers pour baisser le coût en or des décorations. Mais bon, voilà. Là, je suis pris par le temps, évidemment. Non, je pense que le mieux à faire, c'est d'aller dans la... Il va aller là, hein. Il va faire 1, 2, 3. Et ici, il va payer un cacao pour pouvoir utiliser l'action, puisqu'il y a le rouge qui est ici. Et à lui tout seul, donc il va dépenser 2 bois. Voilà. Pour construire une maison. Hop. Donc il va prendre celle-ci. Par contre, on n'a pas le choix, hein. Comme il est tout seul, il est obligé de la placer là. Donc c'est une maison qui ne rapporte pas grand-chose. C'est un bâtiment qui va rapporter 2 points de victoire. Enfin, c'est mieux que rien, vous allez me dire, hein, mais bon. 2 points de victoire, voilà, et qui nous permet d'avancer de 1 sur l'allée des morts. Ça, par contre, c'est plutôt bien, parce qu'il y a 4 points de victoire à scorer, ici. Donc, ça, c'est plutôt cool. 4 points de victoire, on passe à 76. Et puis, c'est pas mal. Bah après, il va faire son élévation à la fin de son tour. Il va faire son élévation et donc il va passer niveau 6. Alors pour le coup, l'élévation, bah j'ai pas le choix. Voilà, ça me saoule, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je regarde si des fois il y aurait pas un truc que j'aurais oublié. Par contre, oui, c'est vrai. Ça refait une avancée sur l'allée des morts. J'avais presque oublié ça. Jusqu'à un maximum de 9. Placer le D6 sur la citadelle qui devient un D3. Et je vais prendre. Par contre, je crois que je vais pas avoir le choix. Ouais. Je vais pas avoir le choix trop. Donc je vais avancer d'ici, donc là par contre il n'y a pas de récompense en point de victoire, mais c'est quand même intéressant puisqu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5e marche, donc il va pas ici me mettre trop de points d'écart au niveau de l'allée des morts, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Lui il redevient un ouvrier de rang 1, donc il va se mettre là-bas. Puis je vais choisir ma récompense, mais je crois que j'ai envie de dire que je suis un petit peu coincé, puisque si je ne prends pas la récompense en cacao, je ne pourrais pas payer mes ouvriers, parce que surtout celui-ci, il bouffe en plus 2 par rapport aux autres, il en prend 2, donc comme j'ai mes 4 ouvriers, bah, en fait, il me faut 5, c'est terrible, lui, il bouffe comme un chancre, là. 5 cacao, il me faut, c'est énorme, donc il me faut la récompense de 5 cacao, juste pour pouvoir les payer, en fait, hein. C'est horrible. Ah ouais, parce que là, moi, ce que je voulais, c'était les 5 points de victoire. Hein. Donc, je vais prendre 5 cacao. Chaque ouvrier que je nourris pas, c'est 3 points de victoire en moins pour moi. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout intéressant, quoi. Ou alors, faut faire le calcul et se dire... si je prends les 5 points de victoire, combien d'ouvriers je peux pas nourrir? Bah là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 2 que je peux pas nourrir. Donc, non, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Je vais perdre 6 points de victoire. J'en vais en gagner 5. Ça sert à rien. Donc je fais ça, et puis c'est la mouise. Voilà. Je me fais défoncer, et je pense que la troisième éclipse risque d'être encore pire. Voilà, donc là on avance le jeton soleil, donc vous voyez c'est le bon moment aussi pour mener une élévation au bout, hein. C'est que là effectivement on peut pas avancer le soleil davantage, donc ça c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. On va terminer avec le tour du Teotibot, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est cette action-là. Alors, lui, il veut essayer d'acheter une technologie, mais il n'a toujours pas, en fait, il n'a personne là-bas, voilà. Quand il n'a personne comme ça, il prend son ouvrier le plus faible et il l'upgrade 2 fois, voilà, c'est ça qu'il fait. Donc, il y a un autre ouvrier qui va passer level 3. C'est comme ça que ça marche.
Est-ce qu'il fait autre chose? Je sais pas. Ouais, c'est tout, hein. C'est ça. Il augmente l'ouvrier le plus faible deux fois. Voilà. Sans accomplir aucune autre action et sans avancer, sans déplacer aucun workers. Donc c'est ce qu'il fait sur cette action. Voilà. Ça fait deux fois hein, qu'il ne peut pas faire cette action-là. C'était pas trop mal de tomber là-dessus, en fait. Il a augmenté, c'est vrai, ses ouvriers, mais enfin, ça me porte moins préjudice que certaines autres choses, je trouve. Et là, on va remettre ici la collection de masques. On va défausser ça. Hop. Voilà. C'était le fameux dernier tour. On va donc procéder maintenant au décompte de fin de manche, mais je sais déjà que c'est pas bon pour moi. C'est pas bon du tout, même. Même vraiment pas. Allez, c'est parti pour le décompte des éclipses. Alors, consultez la plus petite valeur visible sur la ligne des bâtiments. Donc là, on en est rendu à 4, ici. Voilà, et on multiplie... chaque joueur gagne ce nombre de points de victoire pour chaque case qu'il a parcourue sur l'allée des morts. Donc là, on a parcouru tous les deux 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc ça nous fait 20 points de victoire, mais je dirais que ça s'annule puisque c'est 20 points de victoire chacun. Donc lui, il va passer de 78 à 98. Oula, la vache. Oui, d'accord, ça nous emmène loin. Et moi, je vais passer de 76 à 96. Voilà, donc ça, c'est pas ça qui fera la différence entre nous pour le moment. Mais malheureusement, il va y avoir d'autres trucs. Mais bon, c'est déjà bien, je me suis pas fait distancer sur l'allée des morts, c'est déjà ça. Là, le ou les joueurs en tête, sur la piste pyramide gagnent 4 points de victoire. Malheureusement, on y est tous les deux, donc c'est toujours pas ça qui va nous permettre de nous distinguer. Il va passer à 102. Voilà, il va passer à 102. Et moi, je vais passer à... c'est combien, c'est 4? Donc je passe à 100, moi, tout pile. Voilà, donc ça nous distingue toujours pas cette affaire-là à cause de cette égalité débile qui se trouve ici. Chaque joueur gagne également des points de victoire pour chaque case parcourue sur la piste pyramide. Lors de la deuxième éclipse, c'est 3 points de victoire par case parcourue. Donc ça nous départage toujours pas puisqu'on a avancé chacun de 2. Donc on va scorer 6 points de victoire. Donc lui, il va monter ici à 108 et moi, je vais monter à 106. C'est incroyable. Ensuite, remettez à zéro l'avancement sur la piste pyramide. Ça marche pour tous les joueurs. Ok. Chaque joueur organise ses masques en un ou plusieurs groupes. Chaque groupe ne pouvant contenir que des masques. Là, on va commencer à faire une distinction, j'ai envie de dire. En un ou plusieurs groupes, chaque joueur ne pouvant contenir que des masques différents. Alors, le truc, c'est que lui, il en a deux des différents, en fait. Voilà, il en a deux. Tac et tac, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, il a réussi à avoir une collection de masques de deux, ce qui va lui rapporter, malheureusement pour moi, ça va lui rapporter 3 points de victoire. Et là, il va marquer un avantage par rapport à moi. 3 points de victoire, il va donc monter à 111, alors que moi, je n'ai qu'un masque, ce qui fait que je prends que 1 point de victoire. Donc là, ici, il me distance sur les masques. Chaque joueur doit payer le salaire des ouvriers, donc lui, en plus, il n'est même pas concerné par cette affaire-là, d'accord? Mais moi, oui. Donc, celui-ci, il coûte 1, celui-là aussi, ça fait 1, 2, celui-là, il coûte 1, ça fait 3, et celui-là, il est niveau 5, il coûte 2, ça fait 5 cacao. Goodbye, mes cacao dûment et chèrement acquis, ils disparaissent. Aïe, 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 tristesse. La tristesse s'empare de moi, croyez-moi, la tristesse me gagne. S'il s'agit de la première ou de la deuxième éclipse, replacez le jeton soleil sur sa position de départ. Donc, en deuxième éclipse, à deux joueurs, c'est sur la case 8. Donc, le soleil repart là-bas, et la lune, voilà. Ce qui est que la troisième éclipse va être encore un peu plus courte. Ensuite, on va replacer les ouvriers fantômes. Voilà. Et puis après... Après, ça concerne la troisième éclipse. Donc, nous, la troisième éclipse, on n'est pas concerné pour le moment. Ok. Ça va être chaud, hein. Bon, on n'est pas à une distance démentielle au niveau du scoring, mais ne pas oublier qu'il y a un gros avantage pour l'IA en fin de partie. C'est-à-dire que sur la troisième éclipse, l'IA score avec ses ressources.
Voilà. Et aussi avec cette huile technologie sur laquelle il a des jetons. Donc c'est horrible. C'est horrible parce que il a déjà 3 jetons qui sont là-bas. Il a également, enfin, il a tendance à engranger des ressources. Hein. Donc, c'est pas bon. Hein. Non, franchement, c'est pas bon. Il score sur la 3e manche. Hein. Donc, et en plus, il est en avance. Il va démarrer cette 3e éclipse en ayant de l'avance par rapport à moi. Donc, c'est absolument atroce. On va replacer également nos fantômes. Alors, les fantômes, ils sont... Hop, je prends tous les fantômes, les noirs et les rouges. Voilà, hop, les noirs et les rouges, comme ceci. Et on va les placer différemment. Donc j'ai utilisé pas mal de tuiles de départ, là, les tuiles de départ. Alors j'ai vu que les extensions de ce jeu en ajoutent, en fait. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression que toutes les extensions, c'est ce que j'ai cru voir dans les recherches que j'ai faites, sur les extensions qui se préparent pour Teotihuacan, parce qu'il y en a qui vont sortir très bientôt en français, qui existent déjà en anglais, et qui vont sortir bientôt en français. Et c'est en fait, à chaque fois, c'est modulaire. Hein. Ouais, c'est des extensions modulaires. Ce qui fait qu'au total, du coup, il y en aura 3. Il y en a une qui est déjà sortie en français, extension modulaire, et 2 autres qui débarquent. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, toutes elles sont modulaires. Donc vous imaginez un peu si vous... Enfin, ça donne un jeu après qui va être très flexible et dans lequel vous pouvez activer finalement dans une partie. Si jamais vous possédez toutes les extensions, j'imagine que ça doit devenir assez délirant si on active toutes les... carrément tous les modules qu'on possède pour le jeu. Ça doit être terrible. Et ou alors on choisit. C'est-à-dire qu'il y a des modules qui nous plaisent plus que d'autres. On se fait sa petite tambouille. Et à chaque fois, il est précisé sur le descriptif des jeux que c'est totalement compatible avec les règles mises en place pour le jeu solo dans le jeu de base. Donc là, chapeau. Hein. Franchement, le joueur soloiste n'a pas été oublié hein, sur ce jeu. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, premier couple de tuiles découvertes, le voici. Donc, 2, 7, 4, 8. Donc, ça sera 2, 7, 4. Voilà, donc c'est les noirs. Donc 2, c'est... Oh, 2, ça m'arrange pas, c'est la forêt. Ouais, pardon, c'est noir, j'ai dit. Donc il vient se mettre dans la forêt. Il se met également, donc, et ça m'arrange pas des masses non plus, sur la... Comment, dans la salle des décorations. Donc, ça, c'est pas cool non plus. Et encore moins cool. Ah non, je croyais que c'était le 8. On y a échappé, mais c'est le 4, c'est pas terrible non plus. Puisque le 4, c'est une tuile importante, c'est évidemment c'est la tuile de la récolte de l'or, et en plus il bougera pas de là, hein, sur toute la manche, hein, je vous dis pas l'angoisse. Voilà, les 3 de l'IA neutres sont placés. Ensuite, nous avons 5, 6, 1 pour les rouges. Donc 5, c'est les technologies. 6, c'est le quartier des nobles. Et 1, eh ben, c'est la citadelle, dont je ne me suis pas servi depuis le début de la partie, d'ailleurs. Il y a plein de choses dont je ne me suis pas servi, en réalité. C'est assez vertigineux, en fait. Mais je dirais que c'est aussi ça qui fait l'excellence de ce jeu. C'est qu'il est riche, quoi. Oh là là, quelle richesse de jeu. C'est assez phénoménal, je trouve. Et du coup, ça fait énormément de possibilités, énormément de choses à faire. Alors... Comment on envisage cette troisième manche? Eh ben, écoutez, on l'envisage pas, on subit. J'ai un petit peu de ressources, voilà. Un petit peu d'or, un petit peu de bois, un tout petit peu de cailloux. C'est pas terrible, il me reste que 2 cacao. Non, franchement, c'est pas génial, on va pas se mentir. C'est pas fabuleux. J'en ai un qui est sur le point de faire son élévation. Et je pense qu'il va falloir que je la fasse. Son élévation, parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner ici. Ou alors, je fais l'élévation... Enfin, je fais progresser les autres. Et lui, il reste là. Et s'il y en a un qui arrive, et qui est d'un niveau assez fort, et qui se retrouve là, avec lui, qui est de niveau 5, ils pourront, à ce moment-là, faire des super trucs ici. Ça peut être aussi une solution. Le laisser là, en fait, comme ouvrier hyper expérimenté qui reste là, mais qui n'évolue pas, en fait. Pourquoi pas. C'est pas simple, en réalité.
Puis j'ai pas assez avancé non plus sur le plateau des temples là. Non, franchement, il y a beaucoup de choses à gérer dans le jeu. Hein. Très honnêtement, hein, entre la progression sur l'allée des morts, la progression de la construction de la pyramide, la progression sur les temples, sur les cultes, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut gérer. C'est waouh, c'est costaud. Hein. ouais, c'est super costaud. Mais c'est ça qui est intéressant, quoi. Je pense, de toute façon, à mon avis, le jeu, il a été designé exprès. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas tout faire, clairement, dans le jeu. Et je pense que d'une partie à l'autre, on peut aussi essayer de... Bon, il faut être un peu opportuniste, je pense aussi, hein, en fonction de ce qu'on a sur le plateau. Mais il y a une analyse à faire de la situation, on va dire. Mais le truc, c'est que... Il y a une analyse à faire de la situation, mais je pense que de toute façon, le jeu est tellement riche, il y a tellement de possibilités en fait d'action, qu'on est obligé de faire des choix, en réalité. Donc il peut y avoir plusieurs manières de conduire sa partie, je pense. Et là où je manque un peu de recul, puisque c'est évidemment ma première partie, c'est justement, est-ce qu'il faut, c'est ça le truc auquel je vais réfléchir après cette partie-là, est-ce qu'il faut se focaliser sur un moyen de scorer balèze, voilà, comme par exemple chercher ici sur la piste bleue le 15 points de victoire de récompense de culte qui est là-haut, par exemple. 15 points de victoire, c'est absolument énorme. Est-ce que il faut essayer de se dire, moi je mise tout sur la technologie dès le départ, le plus vite possible, pour pouvoir scorer à chaque fois que je fais certaines actions, mais sur toute la longueur de la partie, et à la fin ça finit par porter ses fruits. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ouais, c'est clair. Beaucoup de choses. Finalement, il y a des moments où je me dis que ce qui rapporte le moins de points, c'est la construction de la pyramide. Alors que c'est ce qu'on est tenté de faire en premier, en fait. Parce qu'on a envie d'ériger cette pyramide. Pas sûr que ça soit le meilleur moyen de scorer, en réalité. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Sauf si vous avez, par exemple, cette technologie. Ça, c'est 8, c'est la construction. Donc si vous avez cette technologie assez rapidement dans le jeu, vous faites 3 points de victoire. 3 points de victoire à chaque fois que vous utilisez le chantier. Donc comme ici, il y a déjà des points de victoire à scorer, qu'on peut matcher ensuite avec ça, ça peut être une grosse source de points de victoire. Bon, c'est comme ça, mais dans ce cas-là, il faut avoir cette technologie, ça me paraît clair. À voir. En tout cas, c'était Etrigan. Je dérive dans mes réflexions, excusez-moi. C'était Etrigan pour la deuxième éclipse de cette partie de Teotihuacan. J'aime beaucoup ce jeu, il est d'une richesse hallucinante. C'est vraiment très très sympa. Ouais, franchement, j'ai rarement joué un aussi bon jeu de pose d'ouvrier. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Il y a eu des jeux dont la thématique était audacieuse, hein, en pose d'ouvrier. Je pense par exemple au Manhattan Project, qui parle de la course, hein, une espèce de développement nucléaire, etc. Et voyez, ça m'avait vachement intéressé, ce jeu. Il y avait une appli d'ailleurs qui était sortie, une version numérique que j'avais achetée, mais qui avait aucun charme, enfin qui était vraiment ratée complètement. Et le jeu m'attirait vachement parce que sa thématique est très audacieuse, très très audacieuse sur l'armement nucléaire et les bombes atomiques. Mais il y a pas de mode solo, quoi. Mode solo n'existe pas. Donc donc c'est pas cool. Après, il faudrait que j'aille voir. Ça se trouve sur Board Game Geek, il y a peut-être un solo fan-made très bien fait et très réputé sur ce jeu, je ne sais pas. Mais là, c'est ça le bonheur, quoi. C'est d'avoir accès à des jeux de plateau aussi énormes, qui normalement sont totalement pensés et calibrés pour du compétitif, et de pouvoir y jouer solo avec autant d'intensité que quand on joue à plusieurs, quoi. C'est vraiment super cool. Et une IA qui se comporte d'une manière relativement semblable aux joueurs, ça c'est très fort, très très fort. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la conclusion, en fait, qui devrait être plus rapide que les autres vidéos, hein, parce qu'en plus, les temps d'éclipse raccourcissent. Et puis comme je joue directement sans plus avoir à expliquer quoi que ce soit, évidemment, ça va plus vite. Donc je pense que le dernier épisode sera plus rapide. Et en plus, mais je suis parti pour me prendre une raclée, autant s'y préparer, pardon, à l'avance. Je vous dis à très bientôt, en tout cas, portez-vous bien, ciao.